Attends seulement que je commence. Je suis Boy Fall et je chante au sein du groupe Nyoko Bok Bay. Nyoko Bok, ça veut dire on est ensemble en Wolof. Pour tes proches, avec tes proches, les gens qui sont comme de ta famille, tu dis Nyoko Bok Bay. Ça veut dire littéralement, c'est-à-dire on a le même père. Je m'appelle Bama Oyande, je suis DJ, producteur et j'ai un label Boucan Records. Peut-être je fais ça parce que je kiffe, du coup c'est cool, je me mets à mon petit piano, je me détends. Genre c'est un petit microcosme qu'on se crée, on a plusieurs bulles de microcosme dans la vie, je pense que ça c'est un petit microcosme, un petit chez moi, je suis tranquille. En général je suis bien entouré, je suis avec mes potos. C'est un safe place, c'est un peu lié, je pense, le cœur, le son. Vas-y, follow le rapide, babe, on perd ta vie, jeune fille. Tu sais, bouche et monde brûlent davantage que le feu. Plusieurs artificiers dans la lignée, tes yeux au bout du fil. Alors, si tu bégais, j'ai talisman. Fougueux hors piste jusqu'à l'ozone. Fini l'étoile, tu apprendras losange. Tu sais. S'habiller, c'est un peu le premier moyen d'expression un peu que tout le monde utilise, surtout un des plus communs. Moi, j'ai commencé à m'habiller pour me réapproprier le regard des gens. Je pense que c'est un des trucs qui m'a le plus libéré, on va dire, le jour où j'ai accepté de danser devant des gens, enfin de pas danser en regardant les autres en soirée dubstep, genre ouais, je fais ça, tu vois. Mais genre, c'est la première fois que j'ai vu des gens danser vraiment, tu vois, être libre dans la danse. Ça a grave été une ouverture pour tout. C'est une relation privilégiée avec la musique. Je m'appelle Rad Cartier et je suis artiste, je fais de la musique. J'ai commencé à faire de la musique très jeune parce qu'en fait j'ai mes deux grands frères qui faisaient du rap aussi. Du coup je suis tombé dedans depuis comme Obélix depuis petit. Et voilà, au fur et à mesure des années, je commençais à faire des prods et tout au début. Après mon PC s'est cassé et je pouvais pas m'en racheter, j'étais trop petit. Du coup j'ai commencé à écrire tout ça. Ah, on parle de la ride, hein. La ride, les femmes. Ça, c'est le sujet qui revient sans cesse parce que c'est, comme disait le Duke, c'est des choses qu'on vit. Du coup, c'est plus simple de parler, même ça, c'est une manière d'extérioriser un peu. Hello, je suis le Duke et je suis chanteur et interprète pour le groupe Nyoko Bok Bay. Alors, de base, je suis illustrateur, spécialisé en bande dessinée. Je travaillais sur un roman graphique. De fil en aiguille, j'ai commencé à faire du son avec Bama Oyende. Et il m'a grave charmé dans ça. J'y ai pris goût, mais très rapidement. On a cette âme de piraterie, je veux dire, d'avoir un équipage où chaque personne a des tâches différentes, mais ensemble, on arrive à élever, à faire un truc, une sorte de grosse bombe, tu vois, qui explose. Moi, la personne qui m'a le plus d'abat quand j'étais petit, c'était Michael Jackson. Quand j'étais petit, j'aimais trop me déguiser, tu vois. C'est-à-dire, quand j'ai vu Michael Jackson, tu vois, j'ai pété un plomb. Et en vrai, ceux qui perdent du temps à me regarder comme ça bêtement, tu vois, moi, je continue ma route. Et c'est une certaine force aussi que t'engranges au fur et à mesure, parce qu'après, à la fin, tu te dis, hey, tu vois, t'es en mode, tu t'en bats les couilles, genre. Non, des fois, je suis troublé parce que je vois, il y a des gens, ils sont en retard, tu vois, je me dis dans leur tête, négro, t'es où? Tu vois, pas. On est plus en 2004, tu vois. Ça a avancé depuis, tu vois. Elle monte car je suis douce et assoie. Redescente, elle se transforme en super shine. Je peux craquer pour une taille and die. Si l'autre jambe est taille, je peux die. Sweet baby, girl, viens à mes côtés. Débrouille à Hawaï, j'en ai assez. Ton mandarin, stop, faut me masser. Tes additions, tes pocasses. C'est la.